Allô, c'est Monsieur Christian Pinault. Bonjour Monsieur Pinault, Luc Olivier du garage Mercedes Karl Schauer. Monsieur Olivier, bonjour. Je vous sonde concernant le test du véhicule de 450 chevaux dont nous avions parlé. 450 chevaux? Ah là, c'est parfait. Ah mais là, je suis justement homologué pour faire les tests Mercedes Karl Schauer de la Smart à l'AMG GTS. Ceci dit, Monsieur Karl Schauer, concernant le reportage de l'AMG GTS, je suis toujours là. Bon ben maintenant, je suis prêt. Je suis prêt, j'ai mon casque. Ok, c'est bon. Non, Monsieur Kino, attention, il y a Maldon. Il s'agit d'un camion, il s'agit d'un 6x4, un véhicule avec 12 vitesses, un véhicule de 26 tonnes de poids total au sol. Quoi? Comment? 13 litres de cylindrée? Non, c'est quoi ça? Ah, oui, parce qu'alors là, je dois changer de casque, alors je dois prendre ça. Bon, ben écoutez, on va aller voir ça. Le plus simple? Ouais, ben j'arrive. Bien, ok, bon, ce qu'il y aura tout de suite. Alors on est dans le lourd, mais on est dans quoi? Mais on est dans ça. Ah oui, ok, quand même. Voilà Monsieur Kino, la ROX. La ROX, c'est notre modèle lourd de véhicule de chantier dans la gamme Mercedes. Alors là, c'est bien bon, c'est de l'utilitaire lourd, mais qu'est-ce qui vous différencie par rapport à la concurrence? Parce qu'on sait quand même que la gamme est relativement large. Mercedes est le plus grand constructeur au monde de camions. Mercedes est aussi le premier constructeur à avoir réalisé un camion dans le monde. Mercedes est une gamme extrêmement complète. Nous avons pratiquement un modèle pour chaque affectation. Mercedes, c'est une réputation de robustesse, c'est une réputation de confort, c'est une réputation de fiabilité. Ce qui nous amène à avoir une excellente et probablement la meilleure valeur de revente sur le marché d'occasion. Alors, excellent vendeur, excellente présentation, mais bon, moi j'ai quand même pas mal de kilomètres à faire sur l'année. Les garanties Mercedes Karl Schauer à l'heure, parce qu'on est quand même sur le secteur de l'heure, c'est quoi? Mercedes, ce n'est pas que vendre un camion. Mercedes, c'est toute une série de services qui sont annexes. Je pense à Mercedes Finance, à Mercedes Contrat d'entretien, vous parliez des garanties. Ce sont des extensions de garanties possibles. Mercedes, c'est aussi un service qui s'appelle Fleetboard, qui est un suivi satellite du véhicule et de la qualité du chauffeur. Mercedes, c'est aussi de l'innovation permanente. Je pense à nos nouveaux systèmes HAD, TRK, PPC, l'Active Brake Assist 3. Active Brake Assist 3, sécurité, c'est le véhicule qui s'arrête lorsqu'il arrive dans un bouchon, qui s'arrête, qui ne se contente pas de ralentir. Alors, on sait que Mercedes, dans l'innovation, c'est la première place, au point même qu'on pense que Mercedes fait l'anticipation du chauffeur par rapport à une situation au niveau circulation. On parle du mode de vitesse, évidemment, exceptionnel, et on sait évidemment de sources sûres qu'il y aura encore une évolution dans l'avenir. Alors, on a plusieurs dénominations techniques très importantes. On parle de TRK, mais TRK, c'est quoi? Le TRK, on parle d'un système de démarrage sans usure, une forme d'embrayage hydrodynamique. C'est-à-dire que le véhicule avec des charges lourdes, on peut aller jusqu'à 250 tonnes chez Mercedes, le véhicule démarre avec une extrême douceur, sans endommager la chaîne cinématique en aucune manière. Le bénéfice secondaire de mon TRK, c'est aussi qu'il est jumelé, si on le prend à l'envers, avec un système de frein hydraulique. Un frein hydraulique qui marie avec le frein moteur de mon camion peut développer jusqu'à 750 kW, ce qui est naturellement énorme. Alors si je comprends bien, la puissance combinée de deux freins moteurs spécifiques est plus importante que la puissance développée du véhicule. Mercedes a vraiment deux préoccupations. L'une d'elles est l'économie de carburant, l'autre est la sécurité. Et en effet, mon frein moteur jumelé avec ce frein hydraulique développe bien plus de puissance que le moteur. Eh bien, Monsieur Kino, je vais vous laisser essayer l'engin. Alors, ça c'est les clés du bonheur au niveau d'utilitaire. Mercedes Arox 33-45, les deux premiers chiffres 33 tonnes, 45 450 chevaux, mais on le disait tout à l'heure, c'est un 13 litres, boîte automatique 12 rapports. Je vais essayer ça pour vous, je vais un peu me sacrifier, mais je vais toujours aller voir une personne que j'aime beaucoup. Dans Max 25, c'est Charles Sardot, la société Royal Construct, avec un peu de bol, lui, ça va l'intéresser, et c'est par là.
Bon ben voilà Charles, content de te voir. Charles Sardo, Royal Construct, vous le connaissez tous et toutes. Alors voilà, je te présente le nouvel Arox, pas mal. 33 tonnes, 450 chevaux, 6x4, une belle benne. À mon avis, tu es dans le secteur. Oui. Et donc, ton avis ? Ah, impressionnant, impressionnant. Non, mais vraiment un très beau camion. Et voilà, qui sait, on doit remplacer nos anciens véhicules. Donc, et on est propriétaire de 3 camions, donc voilà. Eh bien là, je t'invite à visiter parce que ça, c'est plus qu'un camion, c'est aussi un studio. Et il y a tous les aménagements, confort pour le chauffeur. Là, je pense que c'est le maître achat. On va voir ? On y va, on grimpe. Alors là, on est dans le sérieux, on est dans le Mercedes. Bon, je sais bien que dans la division utilitaire lourd, tu as d'autres marques qu'on ne va pas citer parce qu'ils vont mieux pas. Mais bon, voilà, franchement, premier abord, qu'en penses-tu ? Non, premier abord, vraiment une belle bête, comme j'ai dit tout à l'heure, un beau camion et vraiment, on est super bien assis ici, confortable et avec tout ce qu'il faut pour nos chauffeurs. Alors là, je vois en plus qu'il y a déjà du Mercedes utilitaire, oui. Il est là ? Oui, et le futur remplaçant, je suis peut-être assis dessus. Et vous savez ça, mesdames et messieurs, c'est déjà une bonne nouvelle. Et donc là, on est sur la Rox 3345, dont je disais tout à l'heure, 33 tonnes, 450 chevaux, boîte automatique, 12 rapports. Alors, qu'est-ce qu'on a de positif ? Ah ben, en fait, le positif est lié quasi au négatif. C'est quoi ? C'est qu'on a une boîte de vitesse extraordinaire qui travaille très très bien et qui permet l'économie en carburant. Dieu sait si maintenant, dans le secteur poids lourd, c'est important. Après le problème de taxes kilométriques, il faut bien qu'on aille un peu voir et un peu plus près, évidemment, du coût du camion. Donc, de fait, la boîte travaille très très bien. Le petit côté négatif, eh bien, c'est quand vous êtes à l'arrêt, évidemment, le redémarrage, le temps de réaction de la boîte est peut-être un petit peu plus long. Sauf que, encore une fois, cette boîte réagit très très bien automatiquement et par rapport à sa charge, donc évidemment c'est un élément important. Quant à savoir que cette fameuse boîte automatique est d'origine, bien oui, maintenant la boîte manuelle est devenue une option, c'est comme ça, c'est l'économie, c'est la technique qui le permet et qui permet évidemment d'anticiper, et c'est bien là que Mercedes est champion, anticiper le réseau routier de manière à rétrograder, et c'est ce qu'on arrivera d'ailleurs à rétrograder avant la montée par exemple de Charat. Le camion de lui-même redescendra d'un rapport pour utiliser dans sa palette de couple le bon rapport, le bon couple au bon moment, au bon endroit, avec la bonne charge, et c'est encore une bonne nouvelle. Alors, on est dans le Mercedes, on est dans le Castar, tous les endroits de rangement sont prévus, toutes les commandes sont très facilement accessibles, un tableau de bord clair et net, il n'y a rien à dire, c'est de la qualité allemande à tous les niveaux, j'ai même envie de dire à tous les étages. Et donc voici la fin de ce montage vidéo concernant la Rox Mercedes Cashware, groupe Cashware, alors qui détient évidemment la structure pour vous accueillir, pour entretenir vos véhicules et évidemment pour les commander par l'intermédiaire de monsieur Luc Olivier. Alors ici l'essai du véhicule, c'est un véhicule très maniable, ça c'est vraiment une chose très très importante évidemment, rayon de braquage positif. Consommation, eh bien je n'ai pas su vraiment faire de grands tests au niveau consommation, mais si j'en retiens quand même une pré-spécialisée relativement en dessous de la concurrence, grâce à quoi ? Grâce à cette satanée boîte de vitesse automatique qui est devenue le point
le point ultime et le point incontournable maintenant sur un camion lourd, puisque maintenant la boîte manuelle est en option. Et donc en fait, ça a des avantages, ça a des inconvénients, toujours est-il que ça réduit la consommation du véhicule, c'est évidemment le critère fort important. Ergonomie intérieure, eh bien on est dans le Mercedes, on est dans le solide, évidemment, toutes les choses sont à leur place, les éclairages intérieurs, toutes les prises possibles, imaginables sont là. Mention parfaite au niveau du siège et de la suspension de celui-ci. Donc voilà, je pense que votre avis, c'est le plus important, c'est de le prendre peut-être directement avec un rendez-vous, puisque le véhicule qui est derrière moi est tout à fait disponible en fonction de l'agenda de chacun, évidemment, pour faire l'essai de ce véhicule grandeur nature sur chantier. Voilà pour moi, ça se termine ici. Christian Cugnot, eh bien, je vous donne rendez-vous prochaines aventures de 3xwmax25.be auquel vous retrouvez l'agenda. Au revoir, merci.